Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le soleil. Vous voyez, le soleil tape sur moi. Mais par contre, il fait un froid de canard dehors. Dans le nord, aujourd'hui, on a le soleil, mais il fait froid. Il a gla-gla. Aujourd'hui, Diamond Painting. Voilà. Aujourd'hui, avec moi. Donc, vous allez voir aujourd'hui la fin de ma cascade. Ça y est, je l'ai terminée. Youpi! Je suis contente. Ah, fini. Enfin bon, elle me plaisait bien à faire, hein. Il n'y a pas eu de souci. J'ai pas eu de souci particulier. Il m'a pas manqué de perles. Ça a bien collé. C'était le premier avec des perles rondes. Vraiment les perles rondes mates, hein, couleur pas brillante, je veux dire, que je faisais. Donc, ça va, j'ai aimé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Bah, qu'il a été quand même assez rapide à faire, du coup. Voilà. Et non, bah, j'ai vraiment bien aimé le faire. Et là, bah, en fin de compte, je suis quand même contente de l'avoir fini. Terminé. Parce que là, maintenant, je vais pouvoir commencer un autre kit que vous verrez donc dans une prochaine vidéo. Et que je vous avais déjà présenté lors d'une unboxing avec la boutique Mes Petits Diams. Voilà. C'est pas l'arbre de printemps, hein, c'est une autre. C'est le kit de Johnny Hallyday. Voilà. C'est moi qui le fais. Voilà, en fin de compte, c'est moi qui vais le faire. Donc là, je vais l'attaquer ce soir. Je vais préparer déjà mes perles, tout ça. Puis bon, je verrai. Je pense que je l'attaquerai un peu ce soir. En même temps, vous verrez quand je vais le présenter. Bon, je vous en dis pas trop, mais quand vous le présenterai dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le sachet de perles noires. Ah! Moi qui n'aime pas les perles noires. Waouh, waouh, waouh! Bon, j'aime pas les perles blanches non plus, hein, vous vous rappelez, avec le Bouddha. Un sachet comme ça, là, c'est la première fois que j'en ai un. Vous verrez. C'est la toute première fois que j'en ai un comme ça. Mais bon, là, on n'est pas là pour parler du kit de Johnny Hallyday. On est là pour que vous puissiez voir la fin de ma cascade. Alors, maintenant, bon, comme je vous expliquais dans la précédente vidéo où je vous montrais la fin du kit de mon mari sur les loups, bon, maintenant, il faut qu'on attende pour acheter des cadres, hein, parce que là, on n'a pas de cadre d'avance. Enfin si, j'ai un cadre d'avance pour ces loups, vous vous rappelez, j'ai encadré les dauphins, voilà, j'ai encadré les dauphins, j'ai mis du double face spécial tableau pour éviter de faire des trous dans le mur. Les dauphins, donc, étaient placés, enfin, là, je ne suis pas dans mon salon, hein, mais ils étaient placés derrière moi. Là, il y a mon fauteuil. Et donc, les dauphins étaient ici, derrière moi. Et je ne sais plus quand, il y a quelques jours, au soir, on était en train de manger, donc on était à table. Je précise tout, hein. Vous allez comprendre pourquoi. On était à table, puis d'un seul coup, on entend « Badaboum !» Je dis « Oui, c'est quoi ?» Mais sur le coup, on n'a pas vu tout de suite. On a cherché, on regardait dans la cuisine, on regardait. Et puis, je regarde au mur, je fais « Ah !» Plus de cadre au mur. Les dauphins, ils avaient plongé, les dauphins. Le cadre des dauphins était tombé.
Mais alors, le cadre, bon, c'est un cadre action, hein, les grands, les 50-70. Par bonheur, les 50-70, c'est pas une vitre en verre, c'est un plexiglas, c'est un plexi. Donc, le plexi n'a pas cassé. Et en même temps, ça a protégé le kit. Donc, le kit, lui, a pas. Deux perles, ouais, il y a eu deux perles qui ont sauté, donc heureusement. Mon mari a remis les deux perles qui ont sauté. Par contre, l'encadrement, explosé, plus rien, il n'est même pas réparable. Donc là, maintenant, comme j'ai un cadre en plus, je garde toujours par là parce que les kits sont par là sur mon lit. Et le cadre qu'il me reste, le nouveau cadre qu'il me reste est là aussi. Et du coup, là, on va réencadrer. Alors, on ne sait pas si on va encadrer les loups avant ou si on va réencadrer les dauphins. Ça, on va voir ça cette semaine. Mais par contre, on va mettre un clou. Tant pis. On va mettre une vis, un clou dans le mur. Il y aura un trou, mais tant pis. Je pense que le poids, pour toi, ça me paraissait pas lourd, mais je pense que le poids a fait que choup. Mais donc, je vous expliquais, je vous disais, il y avait mon fauteuil, et en plus, il y a l'aquarium à côté. Si moi j'aurais été dans le fauteuil, j'avais le kit, bing, j'avais le tableau sur la tête. Donc, voilà. Heureusement que, donc, en plus, ça a tombé, mais ça a rebondi sur le fauteuil et ça a glissé, mais derrière le fauteuil, donc tout le long du mur. C'est peut-être ça aussi qui a protégé le kit et qui a empêché que toutes les perles du kit sautent. Et heureusement, parce que alors là, les boules, bon, malgré que c'était pas moi qui l'avais fait, malgré que c'était celui de mon mari, mais là, on aurait eu mal au cœur que le kit se casse en même temps, que se détruise. Donc bon, c'est juste le cadre. Mais donc maintenant, on sait que ce cadre-là, on mettra des clous pour l'accrocher, des clous, des vis. Donc on devra taper avec la perceuse dans le mur pour la prochaine fois. Donc là, on va faire ça cette semaine. Mais je vous dis, on ne sait pas si mon mari veut encadrer les loups, donc je pense qu'on va encadrer d'abord les loups. Et quand les magasins seront réouverts, un de ces jours, là on aura et achètera des cadres pour encadrer. Alors là, donc j'aurai les dauphins encadrés, ma cascade. J'ai ma japonaise, si vous vous rappelez, elle est toujours pas encadrée. Le Bouddha, alors le Bouddha, je vais l'encadrer deux fois. Vous allez comprendre pourquoi. Je dois vous faire une vidéo avec un encadrement spécial en bois, voilà. Mais moi, cet encadrement-là, bah, me plaît pas, donc je vais faire le tuto parce que la boutique qui m'a fait le partenariat pour le Bouddha et le cadre m'a demandé de le faire, donc je vais le faire. Mais après, je redémonterai le cadre et je remettrai un cadre que moi j'aime bien, parce que moi je veux que ce soit sous verre. Ça, c'est, j'y déroge pas. Moi, il faut que ce soit sous du verre. Alors donc j'ai la cascade, la japonaise, le Bouddha, les dauphins. Et après les deux petits de la boutique Mes Petits Diams, donc le hibou grincheux et l'arbre de l'hiver. Alors voilà, donc ça m'en fait quand même 5, 6, ben, ça m'en fait 7, ouais, 7 à encadrer pour l'instant. Quand les magasins vont réouvrir, il va falloir que je trouve des cadres. 7, en sachant que là maintenant, mon mari en a commencé à nouveau. Vous l'avez vu sur la dernière vidéo. Et moi, j'en attaque à nouveau également ce soir. Donc ça fera 7, 8, 9.
Et j'ai encore un petit à faire. Et puis l'arbre du printemps aussi que je vais attaquer. Donc bah, ça me fait une dizaine de cadres à acheter. Action! Quand est-ce que tu réouvres? Voilà, on verra bien, on fera un petit peu à la fois. Donc voilà, bon, c'était mon blabla du jour. Là, maintenant j'ai le soleil dans les yeux. J'aime pas ça. Sinon, bah, tout va bien. Voilà. Pour l'instant, moi, je suis comme beaucoup d'entre vous, comme 90% de la population confinée, hein. Voilà. Les 10% qui s'amusent, on va pas en parler, hein. Qui traînent dehors. Je parle pas de ceux qui travaillent, hein. Je parle bien de ceux qui traînent dehors. Jusque ce matin, je suis quand même allée 5 minutes, enfin 5 minutes, une demi-heure à mon supermarché parce que j'avais fait les courses il y a 15 jours et là j'ai refait les courses pour 15 jours. Comme ça, je suis tranquille. J'ai pas besoin de courir pour les courses et puis comme ça, comme ils doivent. Si on doit encore être plus confiné, pas facile à dire, hein. Au moins j'ai de quoi manger à la maison, mais j'ai acheté raisonnablement, hein, comme si je faisais mes courses normalement, comme d'habitude. De toute façon, comme d'habitude, je fais toujours mes courses à peu près comme ça tous les 15 jours, donc il n'y a rien qui change pour moi. Sauf que ce matin, j'étais à l'ouverture au magasin. C'est la première. Première dans le magasin. Moi, j'étais tranquille. Voilà. Et après, on rentrait, tout désinfecter, toutes les courses, me changer, me désinfecter les mains, tout. C'est galère. Mais vivement que ça se termine parce que ça devient galère. Mais bon. Que voulez-vous? Bon, je ne suis pas là pour parler de ça, hein. On est là pour rigoler et pour se changer les idées avec le diamond painting, n'est-ce pas les filles? Allez, donc la prochaine vidéo, ce sera sur le démarrage de mon kit de Johnny Hallyday. Et la prochaine encore, ce sera sur l'arbre du printemps, voilà, de la boutique Mes Petits Diams. Donc c'est pareil, je ne sais pas si je ferai en une ou deux vidéos. Vous verrez, hein, c'est un peu comme d'habitude. Hein, vous avez l'habitude maintenant sur ma chaîne, vous savez comment ça fonctionne. Et je vais essayer cette semaine. Je vais essayer. C'est pas gagné. Je vous le dis, hein, c'est pas gagné. Je vais essayer d'attaquer mon junk journal. Voilà. Bon. On verra. Et puis, de toute façon, j'ai aussi l'album à Sylvie. Elle m'a mis le défi jusque fin avril. On est déjà fin mars. Donc, mais voilà. Donc, vous voyez, il y a encore plein, 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 plein de vidéos à avoir. Et j'ai encore des idées de cartes avec des choses qu'on a sous la main. Dans la cuisine ou d'autres choses. Donc j'ai encore des tutos à vous faire. Voilà. Bon, écoutez, j'arrête de blablater, hein. Et je profite pour remercier bah, toutes les nouvelles abonnées d'être sur ma chaîne. On est à l'heure d'aujourd'hui 3360 et des poussières abonnés, voilà. Alors encore un énorme merci. Tous les jours ça grimpe, je suis super contente. Merci beaucoup. Ça prouve que ma chaîne plaît. Alors c'est bien, ça met du baume au cœur. Et puis je vous remercie toutes celles qui sont fidèles à ma chaîne, qui me laissent toujours plein de commentaires, plein de pouces bleus, tout. Et j'essaie de répondre au mieux. Bon, là, ces 2 derniers jours, j'ai un peu de retard sur les commentaires, mais je vais vite me rattraper pour vous répondre à toutes,
comme je fais toujours. Et donc, un énorme merci encore. Ça fait vraiment plaisir d'avoir plein, plein, plein de messages et toujours des messages super gentils. Voilà. Allez, je vous laisse maintenant. Je vous laisse visionner. Comme d'habitude, à la fin, je vous ai mis deux, trois photos du Diamond Painting terminé pour que vous puissiez mieux le voir. Et on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. À très bientôt. Bisous, bisous. Je vous embrasse.